la presse, qui est votre présence, la terre, vous avez pris des jours pour le pour nous gagner pour le débat quotidien, regarder les conditions, dénoncer, mauvaises conditions, la vie, professeurs, parents, élèves, la population, hein, et la situation, côté un criminel qui montait, puis Gazamé Hauteur, et qui montait la vie chère dans des écoles pour professeurs, parents, tout le monde en général, qui la cause, je veux dire, que le petit monde qui va capoter l'école. C'est pour dénoncer la question de la terre artificielle gaz que Ariel a fait là, dans l'idée pour tenter de monter en troisième fois gaz là, parce que il y a couru fort qu'il va mettre sur gaz encore, malgré le fait de deux opérations qui déjà qui mettent la vie et j'en ai là, j'en là. Et regardez qui effet ça a gagné sur l'école. L'école qui partit pas, qui peut qu'il peut arriver correctement, ou qui ça a gagné. Et qui s'est fait tout pour mettre que nous sommes dans l'école, si pas, nous sommes dans l'école correcte, pour tout ce qui est à l'école, et l'école là, pas faire des cachettes encore. Et troisième point, c'est pour exiger que vous payiez sans délai 500 nouveaux enseignants qui ont été nommés en grande pompe. Et jusqu'à présent, ils font le travail à la dernière, ils ont dit l'école ouvrie, après l'ouvrie, ils ont payé. Et payer trois professeurs qui ont dû arriver à salaire. Ensuite, c'est pour nous bailler pour l'histoire UNO. Nous faisons sanction l'ONU, américain, quand on a parlé là. Côté, ils ont pris quelques tigrines et puis majorité raquettait, qui les drogue, les cafés, les gangs, ils ont mouru sur eux. Effectivement. Ou bien, ça aussi, tout, ils ont une action faite pour qu'on passe le coup et ces dames là. Donc, nous pensons que sanction, ils ont général et ils ont effectif. Il y a des positions. 10 décembre, marqué journée mondiale du monde. La commémoré en général dans le contexte de violation systématique du monde, et dans l'occasion de cela, l'UNO a demandé que ce n'est pas une commémoration formelle qui fait, mais c'est de réfléchir sur qui état. Tu as son pays, tu as mon pays, comment il a violé le monde, comment il a banalisé une telle violation, et qui ça doit faire pour que nous sommes dans le côté de là. C'est ça, ça veut dire que l'UNO invite toute la presse, toute l'organisation, faire des débats spéciaux sous question de la monde pour en façon pour réveiller encore plus la conscience population qui a dormi dans le mondial pendant que Ariel. Réveiller dans la montée de gaz, réveiller dans la montée de passeport. Donc, c'est ça, il est important que nous disions tout le monde légal, dans ce lieu-là, nous n'avons pas le choix, c'est mobiliser. Donc, nous avons dit que, je vous dis, hein, nos populations, nos professeurs, qui vivent dans une situation terrible. Pour être enseignant, pour arriver satisfait, même besoin élémentaire de base, manger, dormir, et boire, et la crier, boire, loisir, tout. Nous aussi, surtout que des parents, je le dis, pas qu'à retirer l'école, mais qu'il y a une volonté. Parce que Ariel, avec l'équipe, il y a une situation côté, il n'y a pas qu'à même préparer l'école. Nous avons un peu de l'école ouverte dans tout le pays, mais allez pour voir combien d'élèves qui sont présents. Surtout dans l'école privée. Et dans les CIO, qui est deux vacations, sont sur le travail. Puis on se travaille, petit, tout le monde pour même qu'à travailler. Et l'école, c'est à tout, la fête. En uniforme, l'école ça la fête en civil, voyez, en cachette, côté c'est deux trois grands élèves qui sont à l'école, tout à l'école. Soit ça vous dit que l'école t'y partit pas et que n'y a pas allé avec Ariel Henry, sur l'école qui vient renforcer l'exclusion, parce que c'est trois grands types à l'école, majorité pour à l'école. Sur l'école qui prenait cette inégalité en deux pays, sur l'école qui montrait à quel niveau dirigeant nous n'y a pas besoin d'école tout bon. Nesmi, Maniga avec Ariel Henry, équipe ECO, ils ont une école. Ils ont une apparence l'école. Nous, pour dire que l'école a fait, nous voyons comment Maniga a fait photo parce que là, je veux dire que les gens qui sont réunis, a fait photo, a fait battu vu pendant que l'école n'a pas fonctionné réellement. Et ensuite, ça qui est pire là, nous voyons que
ils ont rentré dans une logique criminelle pour pas gagner gaz dans la pompe, pour acheter gaz à bien cher. D'ailleurs, ça va gagner des conséquences graves sur forcément l'école Timothy Bazar et forcément la vie monde dans ce diable plus mal. Tout prix produit monte 2-3 fois plus. Et quand il y a là, il y a envisagé, si nous avons une confirmation, que tu as monté le gaz à ça même, il n'y a pas de gaz en pompe, on va acheter les hommes bien cher. Donc, ce n'est pas inacceptable. Sans ça, il y a sur les pésés sur la dame, il y a tout le général. Nous avons un gouvernement gang qui n'a pas de souci de bien-être collectif. Ça qui est intéressant, c'est le COP, c'est continuer qui est le pouvoir pour exécuter le backup et qui va exécuter. Nous demandons à tout le monde en général pour amuser la question mondiale, football. Mais pas oublier tête. Et si vous oubliez tête dans le mondial, n'allez pas oublier dans la bichette pour des gaz. Et puis tout le monde a fait plus mal bien là. Ça, c'est que nous, dans la UNO, nous disons un. Amuser dans le mondial, oui. Mais bien dans le mondial, pour aller la bâche sur le non. Et nous dit tout, dans Samuel là, tout le général, pour les camper, pour nous dire non, pour sortir de l'île là. Parce que tout qui là, nous sommes capables de témoigner, nous ne pouvons pas vivre dans le pays. Parce que nous n'avons pas de possibilité pour vivre. Ça lève tout pour les mêmes gens, et puis tout prix, tout produit, et tout produit, service, 3 fois plus, 4 fois plus. Donc, ce qui va être subit pour faire une pire. Donc, nous ne pouvons pas accepter. C'est pour ça que nous disons que la population, l'origine, pas quitter, yo sous l'aile à football mondial pendant que la pérille, il y a un outil. La fin pour nous dire que nous, ouais que gagner sanctions, capoua, de quelques noms dans le secteur privé que yo cité là. Mais sanctions, ça va pour dire un, il n'y a pas de cause. Parce que les gens qui sont sanctionnés, c'est l'équipe. Yo. C'est ouvrier, yo. C'est mon travail pour vous, c'est collaborer. Yo. Il y a sanctionné parce que vous venez trop loup pour vous. Donc, il y a sanctionné parce que le peuple a offert résistance. Le peuple a levé le campé, vous dites non. Pendant 2 mois, et il continue sous l'oubli. Même les gains ont été baissés en dehors de la mobilisation, je vais vous dire. Ces sanctions, ça ne veut pas dire rien. Si vous avez une mobilisation ici, vous avez fait que vous êtes sérieux. Tout, pour même ces Black Campé là, tant que pas de mobilisation, pour faire que yo obligé appliquer tout le monde à quoi yo et effectuer sanctions yo et faire que c'est pas des green yo prend c'est tout le monde d'après le cas ça yo parle de sanctions pour Bidjo mais nous connaissons sous ce pat là ces résultats et quand les fait laisser frapper entre Bidjo avec Bossan qui est la cause et caille boulé yo boulé monde tout vivant je le dis les yo prend yo qui dans l'autre. C'est blague à bail. C'est pas nous ou l'autre, c'est tout ensemble d'acteurs qui mêlés dans financer gang, dans la drogue, dans la corruption, dans le mauvais acteur, c'est tout qui doit sanctionner, sorti dans l'étranger tant qu'on est haïtien. Parce que, il y a un monde comme Mme Nalim qui est assumé, il s'est maman gang, il fait des gangs. On peut parler de monde obsédé qui a financé gang, qui a supporté gang, il y a Mme Nalim, pas figuré là-dedans. Il y a un monde comme Ariel. Si le papa pas gang, c'est pas une gang. Et ce moment, on va pas dire que on parle de sanctions contre monde qui censé et affaire gang dans mauvaise affaire ou pas mettre Ariel. Donc il demandait que sanctions yo au général pour tout acteur yo et deux que fait que donner ça au cap qui dit pas sanctions aider nous bataille pour que nous un gouvernement légitime qui doit attraper de ces sida yo dans main l'ONU dans main américain canadien pour faire suivre judiciaire en façon tout texte ça, il a dit jouer ça en vérité. C'est juste le dire, hein? L'école n'a pas ouvert. Un petit monde peut. L'école a fait la cachette là. C'est. Il y a des raisons, oui. Il y a des petits monde qui peut aller permettre les femmes parce que ce quartier là, c'est au centre de l'école. Tout le monde à l'école, ils ont ciblé. Tout, ils perdent tout pour kidnapping. Mais si l'école qui sont activées sociales a fait la cachette, il a fait là, tu ne peux pas assumer. Que on parle l'école, nous tous dans l'école, si nous mettons sur nos uniformes nous, dans l'école fièrement. Je veux dire, sur les cartes de cachette, le problème est posé. Il nous demande qu'il nous a posé, il résout. Et nous sortir dans l'école Tipati Par, qui sont l'école exclusion, l'école qui renforce l'inégalité, pour dans l'école correcte, pour tout le monde dans l'école, côté séparé l'école et apparence qu'a fait, sur l'école tout le monde qu'a fait, qu'a fait Timoun qui pouvait arriver en main.
nous demander pour que l'État paye sans condition 500 et professeurs que vous avez là, il va plus l'autre. Nous demander tout enseignant qui est obligé de traverser Martissan, traverser Canaran, traverser Croix des Bouquets, qui font d'oppression, qui ont joué et transfert de Port-au-Prince pour le retour de Port-au-Prince parce que, un, course la vie de trois fois plus, deux, il y a une vie qui est exposée, il y a traversé Martissan, traversé Canaran, traversé Croix des Bouquets. Donc, ça qui l'autre bord tout, qui a fait ici, il le transfert de la caillou de manière pour que nous ne perdions plus de professeurs encore. Donc, là, il y a un pied enseignant, il y a un pied élève, il y a un parent, il y a une population pour nous batailler, pour retirer le groupe gang de ce pays, pour mettre un gouvernement légitime qui permet que nous une solution et pour permettre que nous arrivions sur ce continent-là. Donc, nous avons fini là pour dire que 10 décembre, nous n'avons pas gagné une commémoration, nous avons une réflexion sur ce sujet-là, sur ce sujet si y a une banalisation, une violation dans le monde, pour nous commander sur la donne. C'est ça qu'il nous propose. Et ça, ça m'a dit qu'il y a une bonne activité qui est commandée par les bonnes détails sur lui tout à l'heure. Ce qu'il a maintenant, pour nous aujourd'hui, ça, conférence, ça, son conférence tout à fait spéciale. Pourquoi ça me dit ça? Parce que le dossier prend une autre phase. Nous avons dans la phase nous là, c'est le plan B, activité que nous déclenchons depuis 3 ans. Et côté que depuis le mois d'avril, je crois, nous avons une série de conférences que nous avons faites. C'est ça, dit. Dernièrement, là, nous avons une conférence sur la presse, côté que nous avons dénoncé un groupe de messieurs qui était au nombre de 5 que nous avons déjà, que nous avons nommé là pour nous reprendre. Mais sur le temps de conférence, il y a 5 messieurs qui étaient relés Emmanuel Bisset dans le téléphone. Et puis, on fait une conférence avec M. Tour à Tour. Et dans la conférence, il y a une pile menace. Et il y a un monde qui est dans la tête équipe ça. C'est un monde que nous ne pouvons pas citer non là. Parce que le monde qui peut citer non là, la fini. Il y a plein de qui déposent contre déjà dans l'an mort si blanc à tout. Et en conclusion de la conversation que j'ai avec Zogay, il a fait une pile menace. Et il a dit que ça me parle ouais là avec nous là non ça m'a dit là plus ça nous parle depuis devant je dis monsieur que les 11 joueurs qui ont les entraîneurs abandonnent le terrain ou bien ils ont 4 rouges équipe là pas prendre 4 rouges ça veut dire que des monde sous terrain encore qui vont continuer à faire même travail là mais c'est ça qui arrive là avec Pierre Espérance. Pierre Espérance, d'après mon ensemble de amis qui ont fréquenté la caille par exemple je prends un monde pour Sonel, qui est dans le lycée Malbranche. Il dit que Pierre Espérance a un contrôle basé pour au Prince en termes d'activité criminelle. Il y a moins de 10 émissions qui dit que nous avons une cassette là et nous avons une voix là. Nous avons une voix musique. Effectivement, à la veille Coupe du Monde, samedi, je crois qu'il est 19 novembre, d'après toute santé où elle était en Pierre Espérance qui était payé à l'étranger. Mais, dans l'objectif, objectif voyage, ça, ou bien but voyage, la raison voyage, ça, c'était un voyage pour affaires santé. Là, nous cherchons qu'on est, monsieur Maïmou l'école, lui trompait vigilance de CPJ, qui était sous dossier, monsieur, de l'épice passé. Et plusieurs années ou plusieurs mois. Côté que nous-mêmes nous venons par la suite. Et monsieur dit, il est malade. Il quitte le pays. Hein? Mais il quitte le pays avec une feuille de route. Feuille de route, ça veut dire qui ça? Feuille de route, ça veut dire pour me retourner à partir de janvier, you moun tan kou mon chéri, Zogay, Robinson, Sonel, faut que ça disparaître. Faut que ça mourir. Faut que ça n'a pas existé pour le temps de voir sur tout à l'heure. Pas existé, ça veut dire qui ça lui. Même il t'a remis dans la sette la brèche soupe. Et ça, tout dans la bouche, il dans mon témoignage. Il t'a remis dans la sette la brèche soupe là, que tête Pam, ou bien tête Sonel, ou bien tête Zogay, dans la sette ça. Donc, monsieur, son cannibale. Monsieur qui était criminel derrière. Monsieur, plus que. Grand criminel de guerre que nous te connaissons, on est en Pol Pot pour nous citer ça seulement. Donc,
à partir du moment faire de route ça et qui monde t'a manipulé faire de route ça, c'est madame du Sénat numéro 2 RNDDH. Il y a l'argent quitté en dollars et en goud. Youn élément va tenter dans voice là. Monsieur Guenamel, il a proposé 500 000 goud. Ça c'est comme pour bois fibiel pour petit clairin pour descendre là depuis que lui choisi pour faire action ça. Et qui ça va monsieur comme élément de formation? Yo ba photo nous. Monsieur vous ben moi. Yo ba li machine nous qu'on habitué monter. Nous te gros machine te gros contravention avec la police. N'al prendre dans commissariat par au prince. Il pas qu'il devant dans lundi. M'a dit mon mécanicien vient prendre. Yo qu'on prend photo avec il ba monsieur. Moun yo ba l'autre qui pour venir à assassiner. Dieu est dans. Pendant toute période, ça, l'espérance dépensé plus que 17 millions de gouttes. 20 000 dollars américains. L'action pour faire barrer Zach Ballonnet. Ça est témoignage qui vient de joindre. Et ça, nous, nous dit que nous n'avons pas envie de monter sur nous. Donc, je dis à là, il y a un élément qui m'a envoyé un appel. Et puis, il y a le moins dimanche matin. À 9h28 dimanche matin. Mais c'est pas un appel voilé à numéro. Et allô, il dit c'est un tel, un tel. Est-ce que ou c'est moun qui t'est resté sous Belém? Il dit oui, nous c'est ti moun Belém. Mais côté me grandi sous Belém. Et est-ce que qu'on un tel, un tel? Il dit oui, me connaît un tel et ti frère. Il dit monsieur grandi ensemble avec tout. Donc sous bail ça comme moi-même ou même nous c'est mon sorti même zone sous Belém mais zone parmi sur épis mon marinette mon qui connaît Belém marinette là c'est dans base et 620 ans OK pour monter sur plateau Belém. Donc c'est un gros d'entrée de veille dans zone ça qui vaut tête rue des fofon en passant par force machin là ou monte. Et bien monsieur dit que moi-même moi gon mission pour vous à tout Zogay, à tout Sonel, à tout monsieur qui côté Père Espérance là, qui mission lié, c'est pour capable manger nous pour Père Espérance, par mission sale ban moins. Mais comme qu'on est et puis monsieur dans même zone avant, moi-même, pas qu'à rentrer dans la logique ça, me dénoncer monsieur. Moi relo pour me voir information pour vigilant. Vous voyez téléphone, vous voyez téléphone, il y a un téléphone moi. Il y a un téléphone Zogay, il y a une photo, il y a une numéro machine, il y a tout ça besoin comme élément et puis il y a une information sur la zone. Monsieur, je vais tout parler ça. Monsieur, ok. Pas un problème, nous parlons trois fois. De suite, et jusqu'à hier, monsieur a décidé de témoigner devant DCPJ. Hier, à 9h30, il prend rendez-vous à DCPJ. Là, dans DCPJ, et puis il explique tout événement. Il dit qui moun qui te bail contrat, qui moun qui te fait parler avec Père Espérance, et qui n'a qui objectif Père Espérance dit ça. Père Espérance dit, monsieur, que si le problème ça pas résoudre, affaire d'Elma 32 a limélé la donne. Donc, moi-même, ça me t'est fait. C'est plainte que je me portais devant la justice. Père Espérance fait des marches pour détruire le dossier. Le commissaire gouvernement dit non. Et actuellement, là, le dossier est en cabinet d'instruction. Avocat, je vais gagner un certificat de plainte. Et le dossier pour aller devant un juge dans quelques jours encore. Et puis, tout le monde nous cite dans le dossier, dont moi-même, comme plaignant, m'a gagné pour aller devant le juge là. Parce que le juge n'a pas gagné autorité de dossier. Tout ça, l'autre nous a dit, il a supposé tomber. Et lui-même, il va faire propre enquête. Donc, nous-mêmes, nous mettons disposé et disponible pour faire lumière devant la justice pour tout ça nous a dit. Et qui ça nous a dit? Dossier massacre à Saline, dossier massacre des matins 2, affaire gang 4x4, bah, kidnapping. Trois mouns dénoncés Père Espérance, mouns disposés, mouns disponibles pour témoigner de ce qui passé.
Donc, ça nous demande au commissaire là, le commissaire fait deux fois. Et bien sûr, dans ce même, c'est comme que le Guénamel, et l'argent que le Guénamel, lui décide lui-même pour enterrer le dossier là, sans suite. Donc, et puisque 25 ans, nous avons détruit le pays, donc, on le privé, Abraham dit, comme tout le monde connaît comme ça, à taille ça, c'est à ça. Qui ça nous fait encore? Nous écrit, doyen, tribunal civil. Nous écrit Minia, ministre, nous écrit commissaire gouvernement, nous écrit Binu, nous écrit, ministre pas là encore. Le commissaire. Nous écrit organisation droits de l'homme international, ministère de la justice, primature, nous écrit tout le monde ça, et à partir de là, surtout pour dossier Charles Fonsa, non, c'est ça. Acheminé ministre de la Justice et dans quelques jours encore, jeune garçon ça qui a 23 ans, il a été kidnappé, qui va gagner 33 ans à partir du mois de juillet, où il a changé, il a boumé pour être capable de jouer une libération de notre temps tout court. En gros, mais ça, madame du Sénat Guénamel, comme faire de route, moi parler avec éléments ça a été choisi pour faire action malhonnête là. Pour qu'elle tende, m'en donne un peu de patience. Parce que depuis plus que 7 à 8 mois, depuis avril, je crois, nous tous qui là, nous tous supporter dénonciation ça. Et ça, c'est pour nous battre là, pour nous féliciter nous. Bien que Pierre-Espérance Gampil là, quand même, il y a un pile qui a acheté, qui a motivé, mais nous avons cherché des informations pour rendre des documentations sur le sujet plus ou moins fiables et viables. L'argent va intimider. Donc nous dénonçons ces feuilles de route, ça, qui est l'argent là-dedans. Et ensuite, nous annonçons que nous avons des dispositions que nous prenons là, à partir du 23 décembre, pour lancer mobilisation dans tout pays pour nous joindre libération, chers sons. DCPJ pour jouer rapport d'audition qu'elle fait avec tout le monde ça yo bay commissaire gouvernement qui va cheminer dans cabinet de discussion. Dossier a déjà distribué et puis pour convoquer différents monde accusés et plaignants et chaque période n'a fait bilan évolution situation. Donc en gros nous pas faut attendre là témoignage d'un jeune garçon qui pas choisi fait crime pour PSPS. Il n'a pas choisi de faire crime pour faire expérience. Il a fait un temps de témoignage à moi-même. M'a fait conclusion yo et m'a dit nous qui côté Pierre Espérance y est actuellement là. En termes de conclusion, je ne vais pas attendre. Non, voir ces éléments, un peu de patience, n'a saisi pour nous.